Ok, ça cause Startbot. Je vais pas te lire, mon pote. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas que le merch est enfin disponible. Les t-shirts sont disponibles en précommande. Lien dans la description. Ok, il joue Doranblade sur Aatrox. Je pense que c'est assez risqué pour lui. J'ai encore mon létal de stack. Par contre, ça touche pas grand chose du côté d'Unbaron. J'ai mon niveau 2 ici. Dommage. J'aurais touché un peu plus, il serait mort. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Yone. Et bah dis donc, les Q-spells, c'est pas trop ça, hein. Plus de E... Ok, nos flashs. C'est un peu une top lane de Golemon. Pas vous mentir. Ah, c'est d'une tragédie sans nom en vrai. En vrai, c'est d'un tragique. 30 HP le jungler. C'est d'un tragique en vrai. Ah ouais, flash carrément. Et il le tue en plus. Allez, un partout mon pote. Moi aussi je peux me faire gank. En plus il a plus de TP donc il va vraiment perdre tout ça. Je peux push la prochaine aussi, c'est pas une wave canon. Je vais avoir mes bots là-dessus. Bot 3D qui est mon serveur à Space, le Aatrox. C'est excellent. C'est une canon en plus la prochaine, donc si la hard push, on est trop bien. Non, à partir sans être Kraken, non. Ah, mon early game était vraiment catastrophique. Je pense que j'aurais dû tuer les deux. J'ai raté vraiment énormément de Q-spell dans les premiers levels. Shaco est topside, faut qu'on joue un peu plus safe. Je pense. Je vais avoir mon niveau 6 là-dessus. Ok. Je touche mon ult là-dessus, il est mort. Ok, je joue safe. Je vais le respecter ici. Ça, c'est pas lui que je vais respecter. Soul jungler, on est en train de faire le Drake. Il n'y a pas d'informations sur Jayce également. C'est un très mauvais timer pour mourir.
Et ça trade les ults. Je meurs, mais je pense que Cassio peut récupérer. Oh, je meurs même pas. Il est mort. Oh, c'est incroyable, les deux ont survécu à 2 HP. Je sais, je vais avoir mon level 7. Nice. Ah, vraiment, mon Yone est un peu... Il est pas réveillé. Je rate beaucoup de... sorts que je devrais toucher. Ça aurait duré de te remporter. C'est vraiment joué à la limite. Je pense que c'était pas bien joué de ma part. J'ai eu de la chance de survivre. Alors lui, c'est le vrai. Mmh. Il a level up. Je me suis fait couillonner. Je me suis fait couillonner, la team. Il a level up, j'en reviens pas. Il a level up, le petit malicieux, là. Il a level up avec le smite. Ok. Hop, on va faire ça et ça. Ah non, j'ai déjà des potions rechargeables, tranquille, alors. Hop et hop. Oula, je pense que le Udyr, il peut le tuer. Hein. Ah ouais, il le tue, là. C'est Udyr. Après, il a pas back. Ah non, il le tue. Il le tue, là. Il a fait péter le gosse, donc j'imagine que c'est pour le tuer. Mais je serais choqué qu'il le tue avec juste un tome d'amplification. J'ai l'impression qu'il va juste troll ma lane. C'est bien ce qui me semblait, il va juste troll ma lane. Après, Aatrox, il est trop ambitieux aussi, lui. Je sais pas, il a vu quel film, mon pote, avant de lancer cette game, mais... Il en a de l'ambition, ça, par contre. Il a pas de TP en plus. Ok, bien joué. Je sais pas ce que ma Cassio foutait ici, mais bien joué. Je pense que je l'aurais tué solo. Ah, par contre là ça va être compliqué pour moi de l'aider. Flash, il chope le kill. Ok, mais il est mort, je peux pas le sauver. Il me ping, mais en vrai, de vrai, je peux rien faire. Si le Aatrox utilise son Q ici, il est mort. Il a plus de E. Ça devrait nous permettre de faire le héros de la faille. À vrai dire, j'avais même pas besoin d'attendre Kiku spell. C'est pour ça que Yone, c'est considéré comme une plutôt bonne réponse contre Aatrox. C'est qu'en fait, si vous arrivez à atteindre le corps à corps, et là c'était le cas, puisque j'étais dans le buisson et il savait pas, bah après, vous, plus ou moins, vous pouvez tuer le gars, quoi. J'ai mon Kraken. Donc là, surtout par exemple avec Kraken, bah, si le Aatrox est à mon corps à corps, Q-spell ou pas Q-spell, bah il est juste mort, tu vois. Genre là, tu vois, là il est mort. Même avec son ult et tout, il est mort. Oh merde. Il a 2 HP. Oh, je vais leur laisser le kill. Tu vois? Exactement pour cette raison, en fait. C'est que, bah en fait, Aatrox n'a pas les moyens de se défendre contre Yone au corps à corps. C'est pour ça que théoriquement, dans la théorie, mais en fait, c'est un bon matchup. Après, le Aatrox troll vraiment. Genre là, si c'était Zuskill serait en 15-0. Genre, le Aatrox est vraiment mauvais. Il fait n'importe quoi depuis le niveau 1. Il est solide le first time Yone, non? Le first time Yone, c'est Zeus qui joue, hein? Eh les gars, c'est Zeus. Pour un petit first time. C'est pas trop mal. Vous en pensez quoi?
Non, franchement, pour un petit first time. Je sais pas si c'est wardé en dessous. Je sais que c'est wardé dans le buisson là. Parce qu'en fait, je peux peut-être l'avoir. En. C'est pas ward là. Je me mets là. Et. Je vais lui faire une buissonnette. Buissonnette un peu particulière. Bon. Ah, vas-y, push. C'est vraiment le pyrio, non? En first time, la team. Là, je suis devant. Après, j'ai pas de raison de forcer des trucs et misplay. Toute la team est devant et tout. Je suis niveau 10. Faut juste que je continue à farm up. En plus, je loot scale. Parce que vous voyez, il a pas de résistance. Ça, c'est un truc chiant dans le matchup aussi. Je le sais parce que je joue le matchup souvent. Bah, je joue toujours. Je joue jamais le Yone. Je joue souvent le Aatrox. C'est que là, en vrai, maintenant que j'ai Kraken, bah, lui, il a de la létalité. Bah, en vrai, de vrai. Il se fait juste one shot quoi. Sans counterplay. Tu vois genre, en vrai j'ai pas touché grand chose et il est mort. Je crois que j'ai pas eu les golds de la tourelle. Il m'a eu l'enfoiré. Il m'a baité avec un kill mon jungler. C'est le mec qui trouve un responsable en tout. Ah c'est la faute de mon jungle. Il m'a bait avec un kill pour avoir les golds en solo. Là, c'est deux tours en plus. Donc, le build sur Yone, c'est Hullbreaker en deux. On va faire ça. Il y a Beoterka aussi qui peut être pas mal, mais j'aime bien le build Kraken. RK au top, je le trouve fort. Ça donne beaucoup de points de vie en fait, c'est ça que j'aimais avec le build. Kraken, je trouve ça ridicule. Kraken sur tous les champions, je trouve ça ridicule. Je trouve ça trop fort. Je sais même pas pourquoi c'est pas nerf. Genre, sur n'importe quel champion, que tu joues AD, que tu joues Viego. Je le joue souvent sur Viego vu que je joue Viego jungle. Dès que j'ai Kraken, je me sens trop puissant dans la game. Mais en plus, sur un champion comme Yone qui crit, je trouve ça vraiment... MDR, c'est Zeus. C'est 200 personnes, je suis 200 personnes, vous avez vu la team? Oula. 200 personnes la team, le petit Q flashé là. Vous avez aimé j'espère la team. Mais en vrai de vrai ça montre que tu vois même en ayant des fondamentaux solides tu peux tout first time en fait. Enfin, tu peux first time, je peux même first time en GM seul tu vois. Juste avec des fondamentaux solides et une bonne gestion de wave. Tu peux tout jouer en fait. Bon après là j'ai ma team qui gagne. Hein. Mais je parle juste du fait que bah, ma laning phase, tu vois, j'ai plus ou moins gagné toute seule. Tout seul, pardon. Juste avec des fondamentaux solides. Bon je vais back là. Il n'y a rien ici. Je vais aller au bot. J'ai mon Hullbreaker. Je peux mettre énormément de pression là. Mon champion est bien contre leurs deux champions en side. Ça, c'est vraiment bien. Genre, mon champion est bien contre Yone et Jace en side. Pourquoi? Parce que c'est des champions contre Yone et contre Jace et Aatrox. Parce que c'est pas des champions extrêmement tanky, en fait. Ce qui fait que bah, si je touche une tournade, bah derrière, ça me garantit mon ultimate. Et derrière, bah le gars est mort. Si, je vais wait parce que je pense qu'ils vont vouloir push. Mais non, il a Q-spell au même moment. J'y crois pas, frère. Après, il y a mon Rakan. Ouais, chaud de fight ça. T'imagines ça, frère? Le mec a Q-spell au même moment. J'y crois pas. Parce que je pense pas que c'est wardé. C'est peut-être wardé, mais c'est bizarre. Que ce soit wardé sur le côté comme ça. Ce serait vraiment très bizarre. Mais je suis cassé au perçu 1v1. Avec deux items complétés. Eh ben. Jace est super fait de la game et pas free win. Mais ce que je disais, c'est qu'en side, mon champion est bien contre les deux, puisque Aatrox et Jace, c'est pas des champions qui sont extrêmement tanky. Aatrox, sa tankiness, ça dépend des dégâts qu'il deal. Sauf que pour faire des dégâts, Aatrox doit toucher ses Q-spells. Et si je me déplace bien, bah, il ne peut pas toucher de Q-spells, vous voyez. S'il touche son Z, il est mort, je pense.
regardez là, j'ai même pas les résistances de mon Hillbreaker. Vous avez vu les dégâts que j'ai mis? En vrai, prendre la T2 c'est super risqué, mais. Ouais, y'a Shaco. Moi, c'est cool, j'ai de la bonne vision, donc ça m'a permis de gratter quelques auto-attaques, tu vois. En vrai, j'ai pas envie, hein. Cours, mon pote, hein. Tu peux me fight un petit peu avec mon E? Ah, par contre, mes ultimates, c'est très très grave, la team. Je pense que je suis mort. Ok, non, même pas. Le first time Yone au niveau des ultimates, enfin, c'est... C'est vraiment très très grave, la team. Hein. Mais c'est le super carry Gaëtan, non? Si je TP au mid, je pense qu'on peut choper la T1. Voilà, je vais partir sur mon IE. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien BOTRK aussi. Mais comme vous avez déjà vu, bah, le side lane, je le gagne déjà bien en fait. Là, avec une IE, je vais vraiment faire énormément de dégâts. Des dégâts très très lourds. Et un petit raid en plus de cela. C'est très très cool. Je peux l'aider s'il court vers moi. Avec le Rakan qui est derrière, franchement, on va aller double kill là. Dommage, j'ai pas touché Manedo. Mais je suis juste trop fed. Bien sûr, il est mort en 1v1 au top. Mon pote, ça fait deux fois qu'il me rend 1v1. C'est un peu abusé, je trouve. Ouais, je serais toi, je prendrais pas un 1v1 avec 3 levels de retard, mon pote. Je prendrais pas un 1v1 avec 3 levels de retard. Ah ouais, le petit Yone en first time. Bon, c'est pas là, c'est pas Zuski là, hein, mais ça passe, hein. Ah bah ouais, le petit Yone, il fait FF les mecs en face. Voilà, ça vous montre qu'avec des fondamentaux solides, les gars, avec des fondamentaux solides, on peut tout jouer, même au plus haut niveau, même en challenger. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Et ciao, ciao, à la prochaine.